On a, avec le Conseil UNICEF des jeunes, une campagne de 2 ans et on a choisi de travailler sur le thème de la santé mentale. Le sujet de la santé mentale nous est venu vraiment spontanément pour tous parce que c'était donc en 2021, on venait de sortir un petit peu de la phase Covid. La santé mentale, suite au Covid, déjà a été en grande partie déstigmatisée, mais c'est grâce au Covid, en quelque sorte, qu'on a pu constater une hausse des troubles psychiques. Et c'est à partir de ce moment-là où on a vraiment pu constater une alerte rouge sur la santé mentale. Et en plus de ça, la santé mentale touche énormément de sujets actuels, notamment donc l'éco-anxiété, l'éducation et aussi l'immigration.